termes de livres à l'unité, ma collection se monte à un total de 465 mangas en tenant compte des éventuels coefficients de double ou triple volume. Cependant, 89% d'entre eux ne représentent que 11 séries différentes. Le tome 3 de Dragon Ball. Noble paysan de Hiromu Arakawa. Le tome 0 de Dragonfall, estimé à 5€. Alors parmi ceux que je me suis acheté moi-même, il y a les doubles tomes de Negima qui valent chacun 10,90€. En revanche, j'ai également le premier tome de la Black Edition de Death Note qui m'a été offert par mon frère et qui vaut 14,99€. C'est écrit là. Soit l'équivalent de 11,08€. Je peux assurément dire que je n'ai aucun manhwa dans ma collection. Par contre, j'ai la majorité des tomes de Dragonfall, qui est une parodie française de Dragon Ball. Donc, à vous de voir si vous considérez que c'est des mangfra ou pas. Actuellement, non, mais j'espère bien faire l'acquisition de l'édition limitée du tome 50 de Fairy Tail. Ceci n'était pas une blague. Akamatsu Sensei, je lirai vos œuvres jusqu'à la dernière page. Alors au départ, je m'étais jeté sur ces deux volumes de Negima parce qu'on peut y admirer le visage d'ange de ma chère Nodoka. Mais de manière un peu plus objective, je dirais que ce sont les volumes 29 et 30 des Gouttes de Dieu parce que quand on les met côte à côte, ça donne un truc trop classe. Non. J'ai des mangas préférés, j'ai des mangas que je juge de très grande qualité, mais je n'ai aucun manga qui évoque en moi de la nostalgie. Negima et Medaka Box à l'époque où je les lisais en scan, et actuellement c'est Yuki Holder qui me fait cet effet-là. Le tome 18 de Medaka Box à cause de cette putain de faute d'orthographe, la seule de ma collection. Non, mais j'en ai plusieurs en version américaine, notamment les 5 premiers volumes de Yuki Holder, ce qui fait que j'ai ces 5 premiers tomes à la fois en français et en anglais. Non pour les hentai et Lovina, Negima et dans une moindre mesure Fairy Tail pour les ecchi. Si vous saviez à quel point je peux me foutre de quelle maison d'édition publie tel manga, sérieux. Et voilà, ce tag manga est terminé. Merci à Eren Jaeger de m'avoir nominé et donc selon la coutume à mon tour de nominer 3 personnes. Donc voyons voir qui va bien pouvoir nominer. Je vais dire le dieu harem, Fairy Manga et Kurofidika. Allez, à la prochaine les gens.